Un musicien, c'est comme le vin. Plus il est vieux, plus il est bon. Alors nous allons dire que là, je commence une carrière très mature. Sur le plan vocal, j'ai amélioré tellement de choses dans ma connaissance musicale. Et je suis prêt à faire, comme vous l'avez constaté, j'arrive à faire tout genre de musique. Donc c'est parce que j'ai mis longtemps à apprendre la musique et c'est quand j'ai mis mes bases sur le jazz, j'ai commencé à travailler le jazz, que j'ai compris que, en fait, toutes les musiques là, en faisant le jazz, elles sont abordables. On a une série de concerts en France, il y en a comme 6 en France et 14 en Afrique. Donc ce qui fait globalement 20 concerts. Donc on a beaucoup de pays à faire, on a le Cameroun, on a la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, on a le Mali, on a le Burkina Faso, on a le Congo, Kinshasa. Au Congo j'ai 2 concerts, au Cameroun j'ai 2 concerts. Il y a Luanda, il y a Burundi, voilà, donc voilà tous ces pays-là, là où je vais jouer, je vais faire les concerts. La musique tchadienne a toujours été bonne, et c'est l'œil qui a été détourné. On a toujours été bon, c'est les gens qui ont détourné les yeux. Le tchadien est naturellement complexé de ceux qui viennent de l'étranger. Et n'importe comment, si vous restez un diamant, vous ne passerez pas. L'exemple est que si jamais Afrotronix était resté, HSAO était resté au Tchad, il n'y aurait jamais eu d'Afrotronix. Ça, il faut être sûr. Aujourd'hui, si Mandoué n'était pas parti au Burkina Faso, il n'y aurait jamais de Mandoué. On doit construire la culture pour que le pays soit uni. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez ce que Afrotronix fait, tous les Tchadiens se reconnaissent dedans. C'est une fierté. On ne voit pas regarder que c'est un gars du Mandoul, on a regardé simplement que c'est un Tchadien qui fait de la culture tchadienne. Et c'est comme ça que nous sommes unificateurs, nous sommes fédérateurs. La musique va fédérer tous les Tchadiens, va apaiser le cœur des gens et va amener la paix dans ce pays. Le 9 octobre, précisément, 9 octobre 2021, dans la mythique salle du Casino de Paris, qui est une salle de 3000 places, c'est une chance que j'ai d'entrer dans la cour des grands.